Ami cycliste, bien le bonjour. Tiens, t'as le droit de dire bonjour sur ma caméra aujourd'hui. Bonjour. Voici le retour dans le canton de Genève. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a déjà fait une vidéo la dernière fois là-dessus. Bonjour. C'est une trace que j'ai récupérée sur Strava. Donc ça n'est pas à moi. J'ai contacté l'auteur. À chaque fois que je récupère une trace, je contacte toujours l'auteur de la trace pour savoir d'une part si ça ne lui dérange pas que je lui prenne, d'autre part pour le remercier. Moi je trouve que ça va de soi. Et puis troisièmement, pour lui demander si je pouvais la diffuser, et il m'a dit pas de souci. Petit point météo, on a eu frisqué en partant. Certes, on est au mois de mai aujourd'hui, mais le printemps n'est toujours pas là. Mais là, ça va, on se réchauffe un peu. Bonjour, merci. Salut. Non, Arnaud ne larguera pas. Ou un peu quand même. Petite traversée des vignes dans la tempête. Ça va la prise au vent? Ça souffle dur là. Et là du coup on est parti faire le signal de Bernex qu'on n'avait pas fait la dernière fois hein, du coup. C'est un lieu qui s'appelle le signal de Bernex et on monte là. Bah ça y est, on est déjà arrivé en haut. Hein. C'est tout? Bah, ah, oui. Je m'attendais à pire. Bah non, c'est juste là, à gauche. Oh là, ça va être dur. Oh non, mais je me petit. Hein. Ah. Allez, petit plateau pour moi. Allez. Je viens de faire premier arrêt. Pour manger, j'avais faim. J'ai l'habitude de manger mon repas de midi vers 10h45 en général, vu que j'ai petit déjeuner à 5h30. Et là, franchement, j'avais faim. Il est bientôt midi. Oui. On est toujours en plein vent. On est en haut du signal de Bernex. Bernex, je sais pas comment on dit ici. Et donc là, bah, on va redescendre. On continue en direction par là de Genève. Puis on va tourner vers la gauche et on va entamer. Vous voyez, bah, je vous montre. On le voit pas dans les nuages là-bas, mais il y a la crête des Hauts-Jura. Et donc on va revenir un petit peu comme ça sur le flanc de montagne. Jusque là-bas, tout au bout, à Collonges. Vous voyez le creux là, c'est Fort-l'Écluse. Et là, la seconde crête de l'autre côté, c'est le VUH que je vous ai montré il y a quelques vidéos précédentes. Et ensuite, ben, on aura terminé. Donc on va faire une boucle comme ça, on va tourner sur la gauche. En espérant que le vent, ça va s'améliorer, parce que là... Même pour filmer, c'est pas évident quoi. On y va, Lou? On y va. Bon, on est le long de l'autoroute. Ça s'entend. Ouais. Mais pas, on va bien. Ah bah on est à l'abri et puis on est dans les arbres. Et c'est gravel. Ouais. Réserve naturelle du bois des Mouilles. C'est beau. C'est bien. Ah si, il y a toujours du vent. On aura du vent toute la journée, j'ai bien compris. Hein. Ça fait des années que j'ai compris l'arnaque du vent. Hein. Tu pars, tu la te fasses, ouais. Tu dis bon bah, c'est cool, au retour je l'aurai de dos. Ouais. Et comme par hasard, au retour bah, tu la te fasses aussi en fait. Donc tu comprends pas et tu t'es fait escroquer quoi. Tous les cyclistes connaissent ça. Hein. Ouais, sans rire. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas vrai. Vous partez, vous voulez être face, en milieu de parcours, vous voulez être face, et au retour, vous voulez être face. Vous vous dites, mais c'est pas possible ça, quoi cette affaire? Bon, les chevaux, ils viennent aussi ici, visiblement. Ouais, ah oui. Et il n'y a pas à dire, hein. L'aménagement ici, je ne sais pas si toute la Suisse est comme ça, mais on voit quand même la différence avec la France. Hein. Il y a des choses hein, qui sont faites chez nous, hein. Je suis le premier à les signaler, parce qu'à chaque fois, je vois toujours les choses positives. Mais là, il faut quand même reconnaître que, regarde, il y avait le petit panneau pour indiquer l'itinéraire vélo, il faut des passerelles et tout. Et c'est vrai pas, que... Et en fait, c'est pas la première, parce qu'il y en a partout, c'est commun ici. C'est bien fait, ouais. Voilà, go. Petite improvisation forcée, ça faisait longtemps. On vient de se heurter à un panneau chemin privé
passage interdit. Donc moi, quand c'est comme ça, je ne brave pas l'interdit, hein. Caméra ou pas caméra, vous pouvez me faire confiance. Je ne prends jamais le risque. Je respecte. Je crois que ça passe. Moi, je tente pas. En principe, ça passe. Oh, c'est bon. Je me suis un peu peur quand même. Oh là là, ouais, d'accord. L'improvisation, en fait, en réalité, c'est un single. Et là, il y a un avion qui est en train de nous passer tout près, tout près, tout près, tout près. Alors, c'est dommage, hein, parce que le coin, cette campagne est très sympa. Mais alors, des avions comme ça toute la journée, je pourrais pas. Je ne pourrais pas. C'est infernal. Bon là, on a l'arrache là. Hein. Je vois même pas le chemin. Où est le single? Oh là là. Oh, en plus, ne me suit pas. Donc elle va le regretter. Parce qu'elle va pas voir le chemin. Bon, attends, je suis perdu là. Non, mais on est perdu là. Hein. Ça doit être à peu près par ici. Oui, là, ça ressemble à un chemin. Ok. Garmin, c'est un sketch. Hein. Le temps de latence, là, c'est pénible. Donc on pensait être de retour sur le bon chemin, mais en fait, pas du tout. Il fallait tourner bien avant. C'est juste que Garmin a du mal à se mettre à la page rapidement. C'est pas la première fois que je le remarque. Hein. Joli radar. Purée. Il vient de passer juste après la courbe. S'est trouvé face au mur, passé en urgence le petit plateau. Et vous voyez, on a bien du mal à rattraper les marcheurs. Donc on roule pas très vite. Bon, quoi dire, si ce n'est que là, la montée m'a achevé. Je suis asphyxiée. Toi, ça va? Ouais. Tranquille. Oh, sinon, c'est sympa. Petit chemin de terre. Petit chemin, non, c'est un grand chemin. C'est un chemin équestre. Du coup, je me dis, on va peut-être avoir comme une partie VTT accidentée, non? Bah non, c'est un chemin. C'est un grand chemin que je vais me faire rester. Ok. Le jeu du jour, c'est d'éviter les crottins de cheval. De chevaux, pardon. Oh, la belle faute. En quoi c'est joli et bien aménagé. Hein. Purée, les marches de 30 cm de haut là, avec les cales métalliques sous les chaussures de VTT, c'est pas ouf. Hein. Ah, c'est dur là. C'est la digestion. La digestion, on n'a rien mangé, rien à digérer. C'est surtout qu'on approche de l'heure de la sieste là pour moi, à mon âge d'habitude. Non, je sais pas, j'ai les jambes coupées là aujourd'hui. C'est pas la forme des grands jours. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Là, on la voit bien la crête. Vous voyez, tout ça c'est faisable hein, en gravel. On a fait une très grande partie avec Damien, mon frère, l'an dernier, sur deux ou trois vidéos différentes. On y est venu plusieurs fois. Toute la crête, elle fait ça, depuis Gex jusque là-bas au bout, à part l'écluse Bellegarde. Ah oui, ah oui, ah oui. Bien. Oh, on a pris la tangente, bien joué. Eh, il faut relancer maintenant, debout, 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 debout. Ça ira mieux, voilà. Impeccable. Oh là là, Aurore vient d'éviter une méga chute. Ah, je peux vous dire qu'elle aurait été propre là dans les gros graviers. Bonjour. Bonjour. Merci. Elle est arrivée très très vite dans la descente en gravier
très fuyant. Et elle a pris peur sur une traverse d'écoulement d'eau. Donc elle a mis un gros coup de frein, beaucoup trop. Et tout l'arrière a chassé et est parti en dérapage. Méchamment. J'ai bien cru qu'elle allait finir au sol à gauche. Eh, la descente là, t'as dérapé, mais un truc de dingue. Ah bah j'ai fait un dérapage contrôlé. Mais contrôlé, rien du tout, arrête. Non, non, t'as contrôlé rien du tout, c'est juste la chance là. Non, on a raté le chemin. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, improbable. Nous venons de nous faire reconnaître. Il y avait un gars, on roule comme ça. Et il y a un gars qui nous regarde passer. Et puis finalement, par la... Je tilte pas spécialement, mais on se regarde, quoi. Et puis finalement, par la force, par la chance, la force des choses, du Garmin complètement foireux, là, qui met 4 plombes à s'actualiser, on rate le chemin. Du coup, on fait demi-tour pour aller rechercher le bon chemin, 50 mètres plus haut. Et on recroise, du coup, la personne. Et ce coup-ci, il nous interpelle et il dit, mais vous êtes... C'est vous qui faites du gravel sur YouTube, vous faites des vidéos. Ah, je dis, oh là là, depuis, ça recommence, comme la dernière fois avec Eric de Saint-Julien. Je dis, on nous a reconnus. Et puis je regarde le type, et puis au bout de 2 phrases, je dis, ah mais attends, je te connais aussi. Et en fait, je le suis sur Instagram, et sans le savoir, mais comme je suis assez physionomiste, j'avais déjà dû voir sa tête quelque part, peut-être sur ses photos Instagram, je sais plus, ou sur son Strava, ou dans les photos des autres, parce que c'est un gars qui fait du gravel justement. Et qui a poncé tout le secteur de le canton de Genève. Donc il est vraiment dans le sujet. Donc, petit message. Donc on vient de s'arrêter. Donc du coup, je finis mon histoire. On a discuté, franchement. On a peut-être parlé 1 heure. C'était super, très bonne discussion. Ça fait plaisir. Étienne. Donc on salue Étienne. Très belle rencontre. Franchement, c'était top. Donc en fait, pour la petite histoire, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on fait la trace d'un dénommé Phil qui, sur Strava, a cartographié tout le secteur gravel, un grand spécialiste du secteur, et je lui ai pris une trace, je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé si ça le dérangeait, il m'a dit non, je lui ai demandé si je pouvais diffuser sa trace, il m'a dit oui, je lui ai demandé si je pouvais la mettre en vidéo, il m'a dit oui, parce que moi, c'est comme ça que je pratique, en fait, je prends pas comme ça les traces sans rien dire, c'est pas correct. Et donc, Phil est un copain d'Étienne, qui sont des copains de Vélozof, de Damien, Bizetti, etc. etc. Ils sont dans le canton de Genève, ils sont un petit collectif de gravel, un peu rattaché, j'ai pas trop bien compris, mais il y a un peu aussi une histoire avec le site, le blog cycliste.ch. Et bref, à plusieurs, ils se connaissent tous, bien sûr, et ils ont mis en commun leur connaissance de chaque secteur pour faire une trace, le tour du canton de Genève. Une trace qui fait 120 bornes, je crois. Une trace exceptionnelle, et j'avais contacté justement Damien. J'avais eu Damien au téléphone pour lui demander si on pouvait faire la trace en vidéo. Donc vous voyez, c'est pas le premier que je contacte Phil. Je contacte régulièrement les gars pour savoir si je peux faire leur trace. Bah, tout le monde se connaît, je me rends compte. Et donc bah, j'ai hâte de tous les rencontrer. Donc là, pour Étienne, c'est fait, Phil ça viendra, Damien également. J'ai hâte de tous les rencontrer parce qu'ils font un événement au mois de septembre-octobre. Et on va essayer de se libérer avec Aurore pour essayer de venir se joindre à eux. J'ai pris une branche dans le dérailleur. La vidéo de la semaine dernière, quelqu'un nous a mis un message dans la vidéo pour dire que je vous ai croisé ce matin, vous étiez en train de tourner la vidéo. Et je lui ai dit, ah t'étais pas à vélo j'espère, sinon c'est dommage de pas s'être arrêté. Et il m'a dit non j'étais en voiture, donc tu vois. Ouais. Donc quoi, dans le coin on a des abonnés qui sont tout proches en fait. Et puis les gens, si ils sont peut-être surpris, je sais pas. Mais en tout cas, quand vous m'arrêtez moi pour discuter, vous allez être servi, hein, parce que moi j'adore parler. Je parle très facilement, j'ai beaucoup de conversations, donc si vous voulez pas discuter avec moi, ne m'arrêtez pas. Non, vraiment très très bien, ravi d'avoir échangé avec Étienne. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, je mettrai dans à gauche.
le chemin à gauche. Je le mettrai dans la description YouTube pour ceux qui veulent voir ces aventures. Ah bah c'est une piste cyclable en fait. Ah c'est une piste cyclable en construction en fait. Énorme. Excellent même. J'ai bien peur qu'en réalité la piste est gravel pour le moment, mais que parce que c'est le chantier. Et je pense qu'elle va devenir bitumée d'ici peu de quelques semaines. Bah c'est pas grave, en tout cas nous. On a eu la chance. Oui, nous on en a pour notre compte là. Bah c'est pas grave. Regarde, il y a un chemin sur le côté, on prendra le chemin la prochaine fois. Encore un bon point pour le secteur, les gens, les communes continuent d'investir dans le vélo. Très très bien. On valide. Je disais, si vous voulez suivre ses aventures, je vous mettrai son lien Instagram. Son pseudo Instagram, c'est Objectif de Roue. Direct, je lui ai dit, il était surpris que je le connaisse par cœur, mais j'ai une très bonne mémoire. Ça lui a fait plaisir. Ouais, ouais. J'ai une très bonne mémoire et j'avais vu son compte et je me souvenais très bien de son pseudo. Je vous mettrai son lien. Ouais, on aurait dû prendre le chemin. On aurait dû prendre le chemin. Bah ça aurait été une belle sortie hein. Oui. Super trace. Phil a mappé ça comme un chef. Je n'en doutais pas, je ne le connais pas encore personnellement, mais j'ai compris qu'il faisait du très bon travail. Ah, encore un petit taquet. Bon. Je sais pas trop où on est en fait là. Ah ok. Allez, c'est parti pour l'ascension finale. Il reste 20 km et à peu près 600 mètres de déplus à faire sur la sortie. Dédicace à Étienne, il avait prévenu que ça allait monter. Merci, tu ne nous as pas menti. Je suis asphyxiée. C'est que le début. Ok, un petit mental. J'ai plus qu'à m'accrocher. Allez. Forêt de Perron. Forêt domaniale de la commune de Perron. Ok. Ben, votre chemin est sympa, les gars. Bon, Aurore, tout ça n'a pas l'air de la perturber. Elle fait le job. Elle est tranquille. C'est bien, hein, je préfère la voir comme ça. De toute façon, d'une manière générale, c'est rare qu'elle se plaigne à vélo. C'est plutôt que d'un coup, on va plus l'entendre. Elle va même plus répondre. Elle est dans son truc. Et là, je sais que c'est dire qu'elle subit sans rien dire. Ascension totale du jour, 900 mètres. Qui reste potentiellement 300 mètres si je ne me suis pas trompé. Et nous sommes à 805 mètres d'altitude. Bon, je vous le cache pas, c'est un peu dur quand même. Hein. Je reste concentré sur mon effort pour le gérer au mieux. Donc là, de vous parler un petit peu. Même si comme d'hab, j'avais pas grand chose à dire, ça me permet de réguler un peu mon souffle et de pas d'exploser le cardio. Mais un peu dur quand même. Hein. Je me suis arrêté pour manger encore un ravito supplémentaire parce que moi, j'ai faim. On va continuer. Et ça fait 10 minutes. J'essaye de la rattraper, j'y arrive pas. Je grappille quelques centimètres depuis tout à l'heure. Je rapproche, mais j'arrive pas à recoller. Hein. Après, je pourrais, hein. Je m'énerve et puis c'est bon. Mais j'ai pas envie. Je préfère rester dans le dur, mais pas trop. Ça n'en finit pas. Je voyais pas Arnaud, mais je l'ai entendu derrière moi. Donc je vais poursuivre. Ça a l'air d'aller. Mais vraiment, ça n'en finit pas. D'après Arnaud, c'est ici qu'on entame la descente.
Du coup, on a remis les cahuètes. Et c'est pas comme si on recevait quelques gouttes au passage. Alors ça descend relativement bien. C'est pas non plus le chemin roulant du siècle. C'est un peu cassant quand même. Disons pour moi ça va, mais je suis quand même beaucoup sur les freins parce que j'ai pas envie qu'Aurore descende à la même vitesse que moi, parce qu'elle a pas le même équipement ni la même expérience. Et c'est ça le souci avec elle, vous commencez à la connaître, c'est que bah, si je vais vite, bah, je vais le coller, je vais aller vite. Et après, bah, c'est elle et sa chance, quoi. Alors bien sûr, hein, elle a du talent aussi, elle sait rouler, hein, c'est pas ce que je dis, mais elle a quand même moins de réflexes, moins de pratique. Et surtout, elle a des pneus en 40, 42. Donc j'apprécierais qu'elle fasse un peu moins le bourrin que moi avec mes pneus de 47. Ah, je savais pas que c'était bitumé après. Bon, bah on va terminer cette sortie sous la pluie. Là, ça commence à pleuvoir un petit peu quand même. Suffisamment pour être trempé. Ah, génial, le GPS qui me dit hors parcours. Ah, super. Ah non, je remonte pas tout. Hein. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Garmin, je te déteste. Franchement, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Et la latence est folle. Et résultat, bah voilà. Donc on remonte. Purée. J'en ai marre. On remonte. Donc Aurore est derrière. Elle est dégoûtée. Ah ben la pluie a cessé, le soleil revient. C'est toujours bon à prendre. Oui, j'étais trop contente, ça descendait, je me disais chouette. En fait, on a raté la route, maintenant vous tourmentez, youpi. Désolé d'avoir raté l'embranchement. Ça va, Aurore est de bonne composition. La pluie est derrière nous. Là, il y a de la vue. Bon, vous allez rien voir comme d'hab. Ah, attends. Mais moi, on a une petite récompense. Je vais essayer. Bah oui, j'ai tellement les lunettes pleines de flotte, moi. Attends, je vais essayer de me poser là pour la vue. On ne le voit pas, là, le Mont Blanc. On ne le voit pas. Toute la crête du Salève, je ne sais pas si vous allez la voir. Et là-bas, Genève. Bon, je pensais qu'on avait fait toute l'ascension. Pas du tout. En fait, on a refait un peu de descente sur le bitume. On s'est trompé, qu'on a remonté un peu parce qu'on s'est un peu trompé. Et là en fait on remonte. Alors c'est moins pentu, hein. Là ça va, c'est agréable. On est, je sais pas, 3-4% là. Mais c'est un peu plus roulant. Le gravier, bah c'est du gravier quoi. Tout à l'heure c'était de la grosse caillasse, c'était pas du gravier. J'avais pas précisé aujourd'hui. Aurore a la grosse sacoche, avait la grosse sacoche. Avec le ravito salé. Et moi, j'avais embarqué tout le ravito sucré, entre guillemets, le ravito un peu plus traditionnel. Là-bas, là. Alors là, on a une vue magnifique. Ah oui, là. On va essayer de s'arrêter. Là, là. Et voilà. Ça lève. Ouais. Le Rhône, on le voit là. Ouais, on le voit bien. Dire qu'on l'a allongé, c'est-à-dire qu'on a monté tout ça. L'autoroute là. Bon allez, je vais conclure ici. C'était une bien belle sortie. Merci à Phil pour la trace. Merci à Étienne pour la rencontre. Merci à ma championne pour la belle sortie de gravel encore partagée ensemble, comme d'hab. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Allez, le moment tant attendu, la descente. On va peut-être faire attention quand même. Donc je vais vous dire au revoir ici. Encore une belle sortie. Et puis bah, nous, on va poursuivre tranquillement la descente et retrouver la voiture en espérant que cette sortie vous aura plu et en vous disant à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !